Bonsoir, bienvenue à tous sur le live de BIM qu'on vous avait promis de mettre. Ça, c'est encore la suite du live de BIM. On avait promis à mettre, on a dit, il y a des accusations très graves sur le nom de Aya Robert. Salma a dit, je répète, si ce que j'ai dit c'est faux, Aya Robert, j'ai dit ça haut et fort, il faut me porter plainte. Il faut porter plainte sur mon nom. Je vais venir répondre. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Quand j'ai dit, il faut vous ressaisir. Pour cette vidéo ici aussi, prenez votre ceinture de sécurité, mais attachez ça très fort. Ne tombez pas. Ça va secouer très grave. On n'a pas envie de tomber haut. On a envie d'aller kocho, jusqu'à la gare, vous et nous. Alors, prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la. On va encore écouter. Il y a encore les gens qui ont été dans les panels là, dans notre vidéo précédente, sont là encore. Et Baba n'y va crier fort. Et comme j'avais dit, l'histoire de Mada est revenue encore. Pour, donc, des raisons que... Ce qui a été le combat de Aya Robert, voyez. Qu'est-ce qui a été le combat de Aya Robert? Il y a des vidéos ici chez nous qu'on dit que Aya Robert fait ça seulement pour de vues. C'est ça, elle vit de ça. On va écouter ici. Aya Robert même ne travaille même pas. C'est son travail de jazzer les gens. Mais quand c'est son tour là, que les gens prennent la photo, ne fût-ce que la photo de Aya Robert afficher ça, ça devient problème. On ne devait pas dire que Aya Robert a mal fait. On ne devait pas. Pendant que Salma elle-même a fait sortir les dessous qui ont été cachés depuis des années. Depuis que vous allez écouter dans la vidéo ici. Il y a les comment section. Écoutez-moi, je vais mélanger français et anglais. Désolé. Il y a dans les comment section qui disait que non. On ne peut pas s'attaquer à Aya. Vous là, vous voulez qu'il y ait de la guerre pour Aya. Aya vous donne de la visibilité et tout et tout et tout. L'histoire de Aya même, ça a commencé comment? C'est dans notre vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo là, allez regarder notre vidéo justement qui vient de passer. Comme ça, vous allez bien écouter. Aya, ça a commencé comment? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on dit que non, il y a plusieurs gens qui sont jaloux de Aya Robert. Mais c'est qui Aya Robert? Ça a commencé comment? Alors, allez suivre notre vidéo qui vient de passer si vous n'avez pas encore suivi. Ça, maintenant, je peux dire que c'est la deuxième podcast, c'est le même live. Comme je dis toujours que on ne peut pas nous asseoir ici à faire de vidéos de 3 heures du temps. Il y a des vidéos ici sur YouTube et même dans les histoires de Jenzeli ici, il y a des vidéos de 3 heures, 5 heures du temps que les gens s'assoient. On ne peut pas vous retenir 3 heures du temps, c'est beaucoup. On ne peut pas vous retenir 3 heures du temps pour écouter seulement les Jenzeli ici. Alors, on coupe des vidéos petit par petit pour mettre ça, pour découper, pour mettre ça différents jours, pour vous donner aussi les temps aussi de comprendre l'histoire, de mieux comprendre l'histoire. Alors, on va suivre cette vidéo ici, la continuité. Qu'est-ce que Salma a dit? C'est quelle histoire? Les combats de Aya Robert. Est-ce qu'elle fait ça, c'est parce qu'elle a maintenant un enfant ou comment? Parce que son combat là, on dit que c'est contraire. C'est pas la première fois que la personne, qu'une personne dise que Aya Robert ne mène pas ses combats ici. C'est pas un combat noble. C'est pas un combat noble. Alors, on va suivre cette vidéo. Mais on peut pas seulement passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous. Salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes. Vos coucous, hein? Peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, c'est que vos salutations. Voilà. Mais, ne soyez pas jaloux de salutations de nos abonnés à nous. Parce que c'est une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous, hein? À nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, salutations aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Je répète ça chaque jour. Dès même vous connaissez. Vous êtes trop méchants, vous êtes trop aigris. À partir de vos commentaires, on sait que vous êtes guetteurs. Même nos abonnés savent, quand un guetteur commente, ils savent que c'est guetteur. Voilà, car vous êtes trop aigris. Alors, salutations aussi à ceux qui sont ici nouveaux. En tout cas, n'oubliez pas de vous faire abonner chez... À part de la fête, vous êtes déjà abonné chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimons la page, partageons et commentons nos vidéos très gentiment. Et aussi, passez sur notre playlist. Peu importe le titre, la vidéo qui va vous appeler, qui vous allez aimer la... regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Suivons cette vidéo. On se retrouve tous ensemble. Les cas à la fin pour les analyses de l'os 13. Que ses supporters acceptent qu'il ait le cardio.
pour la diffamation. Je répète encore, elle a 49 plaintes, non? Toutes ces 49 plaintes, c'est suite aux diffamations. Ce qu'elle a dit là, est-ce que c'est vrai? Elle était sur les lieux, elle était avec ces personnes? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, à son tour là, on vient s'en prendre à toi? On s'en prend à la fille, on s'en prend à toi. Pourquoi? Mais s'ils ne veulent pas écouter ça, ils n'ont qu'à aller sur le panel de Aya. Aya fait toujours panel, non? Aujourd'hui, si Aya non là, c'est suite aux diffamations sur la plateforme, sur les réseaux sociaux. Et ils ne peuvent pas contrôler TikTok. C'est pas eux qui ont créé TikTok. Donc ils ne peuvent rien créer. C'est seulement signaler ça, ils ne peuvent rien créer. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre à elle même, à Aya, pour la diffamation qu'elle a faite là. Sur les gens jusqu'à aujourd'hui, elle dit elle est Poutine d'après elle. Parce que les gens viennent t'écouter pour les balivernes que tu racontes. Pour des histoires. Toi, tu es en France là-bas, ce qui se passe partout dans les pays là, tu es au courant. Tu es au courant comment? Si les gens ne t'appellent pas, mais c'est ceux même qui appellent Aya pour raconter leur histoire, mais leur truc de famille, ou bien exposer leurs amis là. C'est à eux, moi, je m'en prends. Donc, Aya assume ce qui arrive là. Elle doit assumer. La fille dit, elle-même, elle a assumé hier. Elle dit que je suis bouclée. Bouclée, là, j'étais avec, voilà, des personnes avec qui j'étais. Mais ces personnes-là abusaient des enfants. Chez nous, au pays bété, là, quand une femme qui est plus âgée que toi abuse de toi, là, tu tombes malade. Si on ne te soigne pas. Peut-être que ces enfants sont tombés malades parce qu'elles étaient plus âgées qu'elles. Que ses enfants. Donc Aya supporte le dénigrement que Aya supporte. Elle va supporter, ça ne fait que commencer. Ne faites pas monter les comptes usés là. C'est eux qui viennent signaler le live là. Tu comprends? Ils sont là. La fille n'a rien dit. La fille n'a rien dit de mal. Hein. Et puis signale ton live. Ton live saute. La fille n'a rien dit de mal. Moi, je ne fais pas live. Donc signalez si vous voulez. Je ne fais pas live. La fille n'a rien dit de mal. Elle dit Pocléa là. Voilà ce qu'on a fait. Mais dans ce qu'on faisait dans Pocléa là, elles abusaient des enfants. Donc avant de prendre la défense des enfants là, il faut venir t'excuser. C'est pourquoi j'ai dit. La dame là, elle, demain, elle peut venir s'asseoir pour dire ah, vraiment Pocléa là, c'est pas bon. Vraiment les soeurs qui étaient dedans. Parce qu'elle était dedans. Donc si toi, Aya, la fille dit que tu as abusé aujourd'hui, tu dis non, la pédophilie n'est pas bon. Mais viens dire que non, toi, tu as abusé des enfants d'abord. Ah, vraiment, les frères et soeurs. Ça là c'est pas bon, moi même j'étais dedans, j'ai peut-être en telle période, j'ai sauté peut-être avec les enfants de 14 ans, 13 ans. Mais vraiment c'est pas bon, vous qui sautez avec les enfants là, c'est pas bon. Là, maintenant tu peux faire le combat. Mais tu fais pas ça, tu te caches derrière ça, tu vas faire, et puis tu as fait ça déjà. Pourquoi? Et ces supporters là viennent s'en prendre à toi, sur ton panel. Assumez, vous les supporters de Aya là, assumez ce qui arrive, la diffamation là. Vous devez assumer ça. Avec le cardio, vous devez assumer ça. Ce n'est pas la peine de signaler. Et puis vous partez, non, vous pouvez faire les captures des cas, vous partez de l'arrière. Aya nourrit qui même? Aya nourrit qui? Elle a créé quelle entreprise pour employer des gens? Rien. Elle paye combien d'employés? Pour dire, non, ah, vraiment, si Aya a fermé sa société là, il aura trop de chômeurs. Elle a créé quoi? Rien. Mais elle a eu l'argent sur le dos des gens, des pauvres personnes, dont elle venait s'asseoir dans sa chaise là pour les diffamer. C'est comme ça qu'elle a eu ses abonnés. Et puis aujourd'hui, elle a monétisé sa page. Donc comme elle gagne un peu de milliers d'euros aujourd'hui, donc pour maintenant là, elle veut quitter dedans. Elle ne va pas quitter dedans, ils vont la Bamougou. Elle va supporter, ils vont la Bamougou, elle va supporter. Voilà. Ce n'est pas une injure. On n'est pas en train d'injurer Aya. Mais on dit ce qu'elle a fait dans le passé. C'est en train de la suivre maintenant. La diffamation là, maintenant c'est son tour qu'elle supporte. Maintenant, si elle voit qu'on a été diffamé, elle n'a qu'à venir d'après elle. C'est elle qui appelle toujours les gens, non? Viens t'expliquer. Ah, elle n'a qu'à venir t'expliquer. Si c'est faux, elle n'a qu'à venir dire. Ici là, vous prenez tout le monde les juges, non? Tout le monde est tribunal ici. Donc, elle n'a qu'à venir. C'est ici maintenant tout se passe. Hein. Elle n'a qu'à venir sur le panel de Roro pour dire ce que la fille a dit là, c'est faux. Elle n'a qu'à venir dire ça. Parce que c'est elle qui appelle les gens. Oh. Bipez-moi telle personne. Le live, il n'a qu'à venir se défendre. Comme si, après ton panel là, la personne ne va pas aller au tribunal. Aya n'a qu'à assumer ce qu'elle a commencé. Mais ouais, même si on doit parler de ça même, et Baba Tchè, avant de passer la parole,
quand tu prends l'histoire de Mada là, qu'est-ce que Aya n'a pas dit sur Mada? Parce que je suis en train de dire, non. Je ne sais pas si tu veux. En fait, j'ai fait une conclusion. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'est pas sérieux ce qu'elle a fait. Tu n'es pas sûr. Et les gens t'appellent, toi, tu viens maintenant, tu t'assois. J'ai les preuves. Pourtant, tu n'étais pas sur les lieux quand ça s'est passé. Tu étais sur les lieux. Une seconde. Elle a les preuves. Elle a les cassements des papos. Maintenant, on vient casser ses papos. On vient ses preuves. Maintenant, ils sont fâchés. Cassement de papo, ça là. C'est ma motion. C'est pas preuve, frère. Quand vous arrivez au tribunal là, ça c'est rien. Ou toi tu es assis en France ici et puis. Mais elle a qu'à aller à Abidjan maintenant, elle va prouver ça. Les cassements de papo qu'elle a fait, elle a les preuves là. Abidjan c'est son pays. Côte d'Ivoire c'est son pays, non? Elle a envie de voyager. Elle n'a qu'à aller pour se défendre maintenant. Elle, sur les 49 plaintes qui sont sur elle là. Elle n'a qu'à aller se défendre sur ça. Comme elle a les preuves. C'est ça. C'est ça, tu comprends un peu, frère. C'est ça. Elle n'a qu'à aller au pays, prendre ses vacances, elle n'a qu'à aller. Combien elle travaille, non? Elle n'a qu'à aller. Un jour, ton enfant va te demander, maman, tu fais quoi? Je m'arrête là. Merci. Ok. Kuro Karam, ou quoi là, je ne sais pas. Kuro. C'est pas Kuro Tumu ou quoi là. Ma chérie, tu es là pour signaler ou tu es là pour parler? On va vandaliser ton corps, hein. Koro, elle est là ou pas. Voilà, tu vois. Ah, ils l'ont retiré. Ils ont commencé à signaler ton live, l'euro. Non, mais quand ils commencent à signaler live là-haut, après, c'est eux qui vont venir se plaindre. Koaya a preuve. Et pour Mada, elle a preuve. Mada, elle a preuve. Elle était sur les lieux. Quand Mada était à elle, elle était là-bas. Est-ce que vraiment, arrivé à un moment donné, TikTok là-même nous prend au sérieux? Eux-mêmes, ils sont en train d'apprécier un peu. Ils vont apprécier. Est-ce qu'on se presse? On se presse pas. On se presse pas. C'est ça que j'ai dit là. J'ai dit moi là, j'ai pas d'allié. Voilà, j'ai pas d'allié. Et ce qu'on peut pas dire à Aya là, moi je vais dire ça à Aya. Parce que Aya l'a dit aussi ses vérités aux gens. Donc souffrez que quand on prenne photo, quand les gens vont afficher Aya pour venir parler d'un sujet là, souffrez aussi que les personnes ont le droit de le faire. Parce que Aya là, sans Béret là, elle n'a pas de contenu. Et c'est pareil pour nous tous. C'est Béret qui fait nous là, notre bloc ici là. Parce qu'on est Béretman. Donc, c'est pas parce qu'on met photo d'Aya, on renchérit sur un sujet qu'on a un problème avec Aya. Parce que Aya même qu'elle a là, elle a renchéri sur mon sujet. Est-ce elle que moi. Elle a quitté sur les réseaux sociaux, elle va devenir clochard. C'est moi qui dis ça. Non, c'est pas ça. Non. Elle va devenir clochard. Parce que c'est son travail qu'elle a là. Non, ça n'a rien à voir. Au fait, le côté travail aussi. Non, elle n'a qu'à supporter, Yororo. Elle n'a qu'à supporter la diffamation. Oui, elle n'a qu'à supporter. C'est tout ce qu'elle dit. C'est ça. Moi, je parle à ces mange-mille qui viennent là. Ces mange-mille qu'elle envoie sur le terrain là. Dites à votre Aya de fermer ces pages là. Elle devient clochard dans Paris là. C'est moi qui dis ça. Elle n'aura rien pour payer sa maison. Mais parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire comme si c'est maintenant que les gens sont en train de parler d'Aya Robert. Maintenant même, ça a diminué par rapport à avant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Aya Robert, elle est dans un combat, vous pensez que les gens vont arrêter quand même de lui dire la vérité. Quand on lui dit la vérité, vous trouvez que non, c'est parce que vous êtes jaloux, elle est dans un combat. Est-ce que le combat, où ils sont dedans là? Tout le monde pouvait aller s'élever, pour aller changer photo, pour se mettre sur les panels. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Elle a fait quel combat? À Paris, elle a marché contre les PD. Est-ce qu'elle a marché? Tu l'as vu sur le terrain? Quel combat? Ça, ils ont couragé ça en France ici. Ils ont couragé ça, même si tu les as purgé audacieux. Comment elle fait? Venir crier pour diffamer sur les gens là. C'est ça qui est combat. Quand vous dites ce genre de truc, moi ça m'énerve souvent. Combat. Elle fait quel combat? Aller diffamer sur la pauvre dame Thioté. La dame de Thioté avec cette histoire de Mada. Mais laisser la dame, elle va gérer son problème avec sa famille et sa belle famille. Ils vont s'entendre. Vous venez diffamer, elle est Djandou, elle est rentrée ici, elle joue poker, elle rentre et sort ici. Vous étiez là. Elle est en France là-bas. Cloîtrée dans sa petite maison là, elle est là-bas. Et puis c'est elle qui sait que non, Mada est Djandou. C'est elle qui sait que Mada joue poker. Le problème même là, c'est la télé, nous-mêmes notre télé là. Parce que quand vous invitez une personne comme ça, puis elle parle avec fierté, qu'elle cite même les plaintes, c'est-à-dire qu'elle est une personne à Abidjan qui va répondre à la convocation. Hein. Elle sait qu'il y a 49 plaintes. Un être humain qui dit ça comme ça,
Nous, notre télé, là, tellement on aime Béret, là, on va envoyer une personne comme ça, ça va nous servir d'exemple. Et la personne va dire que j'ai 49 plaintes. Et ça, ça nous fait plaisir. Nous, Ivoiriens, ça nous fait plaisir. Mais quand on va parler, vous allez dire que non, nous sommes jaloux. Les autres vont répondre à leurs plaintes. Voilà. Les autres, là, ils ont les téléphones, les ordinateurs HP comme la Steel B, là. Les téléphones HP de Steel B, là, elle va toujours. Elle, Steel B, mais on la connaît là-bas. Elle, là, elle assume, elle va répondre à sa plainte et puis elle ressort. C'est une citoyenne. Elle va répondre à sa plainte. Mais vous êtes là, vous citez qu'on a 49 plaintes et vous n'allez pas répondre à vos plaintes. Et c'est vous... Elle, c'est la quête de ça. Elle a quête de ça. C'est là qu'elle descend sur moi, tu es Abidjan. On va comprendre. Les talons pointus de Steel B avec les choses. Adama, c'est ma bouca déjà, moi. Avec les HP. Elle va répondre à sa plainte. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de venir dire ici que non, j'ai 49 plaintes. Quand on va parler de ça, on va dire que c'est jalousie. Attends, pourquoi vous voulez qu'on lance toujours des fleurs à Yaroubin? Est-ce qu'elle a des fleurs pour qu'on lui lance les fleurs? Non. On n'a pas dit que c'est une personne qui n'est pas censée. Elle fait des belles choses dans la vie. Comme nous tous aussi, on fait des belles choses, on fait des mauvaises choses. Quand pour nous, ça, là, quand on parle là, on ne dit pas que quelqu'un est jaloux. Mais quand on parle seulement d'Yaroubin, vous avez un problème. Elle a fait quelques belles choses même. Non, elle mais quand même, c'est un être humain. Elle a créé une compagnie, elle a créé une usine pour employer les gens. Elle a créé, quoi? Quelle petite et moyenne entreprise pour employer des gens? Pour dire que non, elle a ouvert ça là. Vraiment, elle a employé au moins 3 jeunes Ivoiriens. Elle a fait ça là. Merci. Voilà des gens qui n'assument pas les profils qu'on envoie pour venir signaler qu'on laïcité. Assumez-vous, mettez votre vie ici, votre TikTok, mettez vos profils. Hein? Voilà. Assumez-vous. Ne venez pas les faux profils signaler le compte des gens. Vous n'avez pas de couilles. Vous suivez des gens comme des moutons. Bé. Vous êtes des bé, même. Attends, elle met le générique tout à l'heure. Continuez de parler, tonton. Il a allumé mon ordinateur. Avec Aya. Toi, c'est avec Aya, tu veux te relever. Toi, tout petit shérif. Tu n'as pas honte. Et t'as dit que je suis au travail. Aya, c'est qui? Moi, je ne fais pas live. Moi, je n'ai pas besoin de trucs, comment on appelle ça même? D'abonner. Tu comprends? Voilà. Il n'y a pas besoin d'abonner. Lâche non, mais papa, tiens, faut pas te fatiguer parce que les gens là sont sur la toile ici. J'ai dit, papa, tiens. Je fais mes trucs là, je fais ma vidéo et puis je mets pour danser, c'est fini. Voilà. Nous sommes tous sur la toile ici. Tu sais, papa, tiens, on est tous sur la toile ici. On sait tout. Voilà. Il y a des moments là, nous ne sommes pas d'accord sur des points. Oui. Ça s'arrête là, on se biame un peu, on se caresse un peu. Chacun va évacuer à ses occupations. On ne dort pas avec le problème de quelqu'un parce que tu as trop de problèmes. Mais ne pensez pas que... Les gens la font... Rose, je te comprends. Les gens la font comme si toi, tu avais peur de Aya. C'est ça. C'est comme si c'est Aya qui a fait que tu as créé ton panel. Donc toi, tu ne dois pas parler de Aya. On ne doit pas venir parler de Aya sur toi, ton panel. Pourquoi? C'est ça qui est énervant. Aïe. Faut que je me mute. Parce que moi-même, ça m'étonne quoi. Par rapport à mon live d'hier, là, ça m'étonne. C'était comme si j'avais programmé quelque chose au fait. Tu lances un live, tu lances un sujet, les gens viennent renchérir jusqu'à ce que tu tombes sur cette personne qui vient casser des papos. Mais attends, sur la toile ici, là, c'est quel béret? Quelqu'un va voir quelqu'un qui va venir sur son panel pour parler des bérets et les gens vont dire non, on ne veut pas t'écouter. Bon, on t'écoute, mais la tête là, ça tourne. Si on voit que ce que tu dis là, ça ne colle pas là, on a le droit de te poser des questions. On te pose des questions. Ça ne veut pas dire que nous sommes bêtes, on reçoit que des gens ici sur le panel pour venir diffamer sur la vie des gens. Si c'est diffamation là, vous savez où ça se passe? Où on diffame les gens là? Vous ne savez pas ça? Vous voyez bien les panels où les gens vont diffamer les gens? Il y a des gens qui ont décidé de faire les panels autrement. Ils accordent plus de crédibilité aux gens de parler. Ça ne veut pas dire qu'on soutient ces personnes. Mais à chaque fois, on va parler... On va dire Aya. Motion, sont... attends. Motion pour les moutons là, motion pour eux. Voilà, c'est des moutons. Comme c'est des moutons là, ils suivent comme ça, ils suivent les bergers là comme ça. Bé, 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 bé. Regardez-moi ces cabris là. C'est la même chose que. C'est-à-dire, ils pensent que TikTok c'est pour eux. Vous croyez que TikTok là, c'est vous qui avez créé TikTok? Vous êtes sur Facebook, vous avez fait vos conneries là-bas. C'est-à-dire que vous venez sur TikTok encore. Regarde, ça ne marchera pas. Il y aura toujours des personnes, il y aura des gens qui vont vous allumer, qui vont allumer la télé contre vous. Moi, je vous dis ça. Que vous voulez pas. Il serait toujours à votre gauche. Mettez ça dans votre crâne, votre petite tête de mouton là. Il serait toujours à votre gauche. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, parce que vous êtes venu afficher des personnes ici. Vous êtes venu descendre Mada ici. Venu traiter Mada de tout. Venu traiter Mada de pute. Venu traiter Mada de voleuse. Pendant que Mada, c'est l'argent de son mari qu'elle a pris. C'est-à-dire que c'est l'héritage, elle vivait de l'héritage de son mari. Vous êtes venu vilipender cette dame-là ici. Aujourd'hui, on voit vos personnes qui sont arrêtées. Voilà Maman Bio qui a été arrêtée pour escroquerie, pour vol de tontine. On vous a pas vu sauter ici. On vous a vu cotiser. On vous a vu cacher le cul de Maman Bio. Au lieu de venir exposer Maman Bio, entre Maman Bio et Mada, qui est mieux? Mada, au moins, c'est pour son mari qu'elle a bouffé. Maman Bio, là, c'est pour d'autres personnes qu'elle a pris. Mais on vous a vu cotiser 2 millions ici pour Maman Bio. Ça veut dire quoi, ça? Donc, quand c'est vous, là, on parle pas. TikTok, là, ça vous appartient. C'est vous qui décidez du sort des gens sur les réseaux sociaux. C'est vous qui décidez d'on doit parler de qui, on doit pas parler de qui. Mais vous vous foutez de qui? C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est quoi? Parce qu'arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Arrivé à un moment donné, il faut avoir les pieds dans les bottes. Et je vois des vendus hier qui montent sur le panel de Roro ici. Ouais, je suis saoulé. Ouais, Roro, il faut arrêter ça. Ce que vous pouvez pas faire là-bas, là, c'est sur le panel des gens, vous allez venir faire ça. C'est Roro qui joue avec vous. C'est Roro qui vous laisse venir faire missi son panel. Vous savez que quand vous venez chez moi, là, je jette vos corps. Je vous bloque, même dans commentaire. Quand vous me montrez que vous êtes venu défendre, je vous jette loin même de mon panel. Mais vous êtes des vampires, vous êtes des véreux. Vous venez tout signaler, mais vous êtes des badjous même. C'est de ça qu'il s'agit. En parler, ils vont dire non, il ne faut pas parler. Ouais, c'est temps, c'est temps. Ah bon? C'est vous qui payez connexion des gens? C'est vous qui... Attendez, c'est... Non, j'attends, je me mutais pour un peu d'opé. Oh, Dieu là même, mon cœur, tout le chaud même. Quand j'entends ces gens de trucs là, ça m'énerve. On a vu ce soir acharné si Mada ici. On a vu, ils ont affiché photo de Mada ici. Quand, pendant des jours, ils ont affiché là-dedans. Pendant des mois, ils ont affiché nos artistes, ils ont affiché nos autorités sur les panels. Comme des arpanis, en train de renchérir dans leur vie. Aucune, ils n'ont pas de respect. Aucune considération. Aucune compassion. Arrivé à votre tour, on voit des véreux. On voit des gens qui sortent, qui sont excités, qui viennent se branler sur le panel de Roro ici. Roro, prends tes responsabilités. Non, mais voilà, si tu aimes muter. Non, non, c'est pas parce que je ne prends pas mes responsabilités, mais en fait, et c'est dommage parce que et nous sommes aujourd'hui dans un monde, on s'est dit que nous tous, nous sommes en train de peut-être lutter contre et pour la démocratie. Donc, moi, c'est mon système, en fait. Je me dis, ben, si tu n'es pas d'accord avec moi, moi, j'ai rien à foutre au moins. Et tu peux pas m'empêcher de m'exprimer. Moi aussi, je ne peux pas t'empêcher de t'exprimer. Mais au fait, quand tu es dans ce genre de trucs-là, ça les, ils aiment pas ça, au fait. Ils aiment la brutalité. Ou tu les insultes, tu les jettes les codes dehors, tu dis, ben, toi, tu peux pas parler, tu les mutes. Au fait, c'est ce qu'ils aiment. Vous voyez, c'est ce qu'ils aiment. Parce que, imaginons, on a parlé du cas de Mada et tout ça. Aujourd'hui, là, qui c'est vous, parmi vous, là, les femmes qui ont insulté Mada, là? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que cette dame-là, elle a un problème aujourd'hui de santé? Est-ce que cette dame-là se retrouve? Vous avez mené un combat d'après vous. Le combat, là, jusqu'aujourd'hui, là, on n'a pas la suite du combat. Ça s'est passé comment? Mada, elle mange quoi? Elle est malade, elle n'est pas malade, ses enfants et tout ça. Est-ce que Mada même arrive à sortir par rapport à elle-même, sa sécurité? Et tout ça, vous ne vous posez pas des questions? Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont en train de penser autrement, qui disent que... Ils ont honte parce que la belle famille de Mada qui sortait, qui se pavanait sur les panels là, et tous sont rentrés en caserne. Qui va leur donner les papos? Ils vont parler de quoi? Ils vont parler de quoi? Mada leur disait, c'est ma belle famille, je ne peux pas parler d'eux, je ne peux pas les salir. Je ne peux pas venir exposer ma belle famille, je ne peux pas. On va laver nos linges sales à la maison. Ils n'ont pas lavé leurs linges sales à la maison? C'est qui a pris honte? C'est eux qui ont pris la honte. Non, voilà un Hassan aussi, un pédophile qu'on appelle As Diesel. Hein? Des pédophiles aussi qui font combat des pédos. Mais moi, je ne peux pas comprendre ça. Toi, quelqu'un, As Diesel, ils t'ont rapatrié, ils t'ont jeté depuis l'Angleterre à cause des pédos. Mais c'est toi qui t'assois pour faire combat des pédos. Mais c'est-à-dire que tu vois des personnes comme ça, là, mais ils se foutent des gens, au fait. Et ils montent sur des panels, ils veulent m'isoler des gens. Il ne faut pas les gens, ils vont parler. Pendant que eux-mêmes, les soeurs, même, c'est des pédos encore. Vous aussi. C'est ce que tu es en train de dire. Et c'est la même chose que la dame est venue dire ici hier. Elle dit, moi j'ai très mal. Quand je vois cette dame que nous, on a fait le grain ensemble. On a fait des bêtises ensemble. Nous on était là. Ces dames-là, elles aimaient que les enfants. Des jeunes danseurs. Les danseurs du Mille Maquis.
Nous, ce n'était pas notre problème parce qu'on s'est dit, ben voilà, si elles aiment ça, c'est parce que les danseurs, là, vous savez très bien, les danseurs, elles sont endurants. C'est un sport. Si une femme qui a des moyens, qui prend un danseur de 15 ans pour la mougou, c'est parce qu'il fait bien son travail. C'est, ben, ça, on n'a pas besoin de parler. C'est parce qu'il mougou bien. Il fait bien les jeux de reins, il est endurant. Donc, si la dame vient aujourd'hui pour parler, pour dire non, moi, je ne suis pas d'accord que ces dames-là vont venir dire non, stop à temps, stop à temps. Pourtant, nous, dans notre passé, elles ont fait ça. Qu'elles viennent là pour se confesser d'abord avant de mener un combat. Donc, nous, on ne doit pas l'écouter, quoi. On ne doit pas l'écouter. C'est une jalousie pour, c'est une jalousie pour vous. On n'aime pas Aya Robert parce que Aya Robert elle aime les gens. Ou bien, vous avez peur d'Aya Robert, nous, on lui dit la vérité. Vous avez peur d'Aya Robert. Vous ne voulez pas vous respecter votre Poutine. Donc, respectez aussi la vie des gens aussi. Vous respectez votre Poutine, non? Qui a problème contre Aya Robert? On peut rien crier. Aya Robert aussi peut rien crier aujourd'hui. Aujourd'hui, là, pour lancer live, là, c'est facile. Aujourd'hui, pour lancer live, c'est facile. Tu ne vas pas venir montrer que tu es quelqu'un que quelqu'un ici. Non, ce n'est pas la peine. Donc, vous, les crabes, là, les crabes d'Aya Robert, là, connaissez votre place. Quand vous parlez sur des panels, vous trouvez que c'est Aya qui donne visibilité aux gens, là. Mais vous-même, vous êtes des crabes, là. Vous suivez Aya Robert, là. Aya Robert vous a donné quelle visibilité? On vous connaît où? C'est où on vous connaît? On vous connaît où? On vous connaît pas. Mais moi, je ne peux pas suivre une personne qui a visibilité, puis moi, je n'ai pas visibilité. Je fais quoi auprès de la personne? Qu'est-ce que moi, je fous auprès de la personne? Et puis, vous êtes là, vous parlez de visibilité, visibilité. C'est quelle chaîne télé qui va faire une émission qui ne souhaite pas avoir audience? Vous-même, là, quand vous lancez vos lives, là, quand il y a du monde, là, vous êtes fiers. Donc, qui c'est qui ne cherche pas visibilité? Mais ça dépend de quelle façon tu veux chercher ta visibilité. Sinon, aujourd'hui, là, on peut vous servir ce que vous aimez. On sait très bien que vous-même, les femmes, vous aimez qu'on insulte bien. Vous-même, les femmes, là, vous aimez qu'on on prend une autre femme, on déshabille la femme, on insulte son boda, son pétou. Vous, les femmes, là, vous aimez ça? Si tout à l'heure, moi, je change de blog, là, c'est vous-même, vous allez me soutenir dans la bêtise. Et je vais monter, je vais penser que peut-être j'évolue ou je suis en train de prospérer dans ce que je suis en train de faire. C'est vous-même, vous allez m'aider même à aller à l'abattoir. Ou bien, sinon, affaire de visibilité, là, qui veut pas avoir audience? Qui veut pas avoir audience? C'est pas à cause d'audience qu'ils ont fait et les panels de tous les débuts. Ils se sont mis ensemble. Mais attendez, Petit Nicapol, lui seul, il a fait panel. Il a fait live. Il a eu plus de 100K. Vous êtes des grosses têtes. Au moins 6 grosses têtes, vous êtes sur un panel, vous ne faites même pas 50K. Et vous allez venir nous dire quoi? Vous ne faites même pas 50K. Vous avez plus de 1 million d'abonnés. Vous ne faites même pas 50K. Vous êtes nombreux. 6 personnes, 6 grosses têtes sur un panel, vous ne faites pas 50K. Nikapo, il a fait ça au calme avec Kuitata, avec Kuilolo. C'est la bêtise qui lui a donné des cas. Donc, quand vous venez là, vous parlez que non, les gens n'ont pas visibilité ou quoi que ce soit. Vous avez visibilité pour faire bloc. Vous avez visibilité pour faire bloc. Et le bloc que vous faites là, on voit le résultat, c'est quoi? Oui, vous prenez ça pour faire exemple. Hein, on fait live plus de 20 000 personnes connectées. Vous allez venir jouer avec nos combats. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui regardaient tous les vendredis et cuit lolo. Ça a donné quoi à la nation? Il y a des gens qui se sont rincés les yeux et c'est fini. Le mouvement est passé. Nikapol passe à autre chose. Mais Nikapol n'a qu'à venir aujourd'hui encore, il va faire live. S'il a trop fait ses 6 000 personnes, il ne peut plus faire. Parce que ce que les gens aimaient, là, il a arrêté de faire. C'est la bêtise aujourd'hui qui marche sur les réseaux sociaux. C'est la bêtise. C'est la bêtise. Tu veux te faire connaître, là, il faut faire des bêtises. Et les gens aiment ça. On va vous dire de partager pendant que je suis en train d'insulter l'intimité d'une femme. C'est les femmes même qui vont partager. C'est les femmes même qui vont tapoter. Pourtant, je suis en train de rabaisser là où je suis sorti. Là où je suis sorti, là, je suis en train de rabaisser ça. Mais ce sont des femmes qui vont m'encourager dans ce combat-là. Ça, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. C'est la vérité. Donc, visibilité, là, tout le monde sait comment gagner visibilité sur la toile ici. Mais on dit ce qui est vrai. C'est ça qui vous fatigue. Qu'au Aya Robert, tu cherches visibilité avec le nom d'Aya Robert. Aya Robert donne visibilité. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Aya Robert, là, donne visibilité? Aya Robert donne visibilité à quelqu'un ici? Aya Robert donne visibilité à quelqu'un ici. Parce que c'est le même monde là qui sont derrière elle. Hein. Même quand elle lance live et tout ça, là, même les mêmes 2000 personnes là, ce sont les mêmes personnes. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Tu as plus de 100 et quelques mille personnes qui sont abonnées à toi. Donc, si tu fais live et puis tu as 2000 personnes qui sont connectées à toi, tu dis que tu as visibilité. Mais tu as 100 000 et quelques personnes connectées.
abonnés à ta page et tu as 2000 personnes connectées. Mais c'est faible. Quand tu fais le calcul, c'est faible. 100 000 et ces 2000 personnes qui sont connectées, c'est faible. Donc, vous savez ce qu'on appelle visibilité? Visibilité. Ou bien quand Aya Robert monte sur un panel net, en même temps, le jackpot se casse, en même temps, tu gagnes de l'argent. Mais arrêtez. Arrêtez. Parce que c'est elle-même qui aime ça aussi. C'est elle-même qui aime ça aussi. Elle aime bien se faire passer pour la victime. Pour dire que les gens sont jaloux d'elle. Parce que quoi, elle est en train de mener un combat noble. C'est quoi? Tout le monde mène ce combat-là. C'est pas parce que tu prends ta caméra pour parler, tu diffames sur les gens, tu vas à l'extrême, que tu vas penser que les gens sont jaloux de toi. On te dit que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Voilà. Tu as renchéri ici l'histoire d'Élie de Dieu ici. On a vu des panels ici. Élie de Dieu aujourd'hui en prison. C'est maintenant vous vous rappelez qu'Élie de Dieu a des enfants, qu'on doit les scolariser. Mais il fallait y penser d'abord. Il fallait y penser que si elle va là-bas, là, c'est un voyage qui est sans retour. Mais pour elle, là, vous n'avez pas eu l'idée de cotiser. Maintenant, ma bio qui a escroqué des gens, des millions, là. Attends, Élie de Dieu aussi, elle était dans ton team. Elle a fait affaire avec des femmes. Les femmes ont eu confiance en elle. Les femmes lui ont envoyé son argent. Elle a fait un vent ou un. C'est la même chose. Mais Élie de Dieu, elle est restée là-bas. Et toi, Aya, avec tes amis, vous, vous avez cotisé 2 millions pour une personne qui escroque des gens. Toi, c'est quel combat tu mènes? Quand le combat t'arrange, tu mènes le combat. Mais quand tu veux mener un combat, là, c'est pourquoi je dis, Aya, avec le monde qui te suit, là, il faut chercher un conseiller en image. Quand je dis conseiller en image, là, ça veut dire conseiller en image. Hein, parce que le passé, là, c'est ça, on va prendre toujours pour te battre mon goût. Parce que si tu avais des conseillers en image, là, ils allaient te dire, Aya, tu ne peux pas te mettre dans ce combat-là. Ils allaient te dire, pourquoi tu ne dois pas te mettre dans le combat? Parce qu'ils vont t'attaquer pour ça, sur ça. Et puis, ils auront raison. Parce que toi, tu dis, tu mènes maintenant des combats qui sont nobles. Tu penses qu'en demandant aux gens de cotiser pour ma bio, pendant ce temps, elle a escroqué des gens. Tu penses que toi, ça va te donner de la crédibilité. Mais aujourd'hui, vous avez donné la crédibilité à Aya Robert parce qu'elle a décidé d'aider sa sœur. Pour la pitié, là, vous avez oublié des victimes. C'est vous les lâches. C'est vous le problème. Le poison sur TikTok ici, c'est vous les crabes. C'est vous les crabes, c'est vous qui causez des problèmes si tu toques ici. Quand c'est vos personnes aujourd'hui, là, vous parlez. Le problème de Salma là, Aya Robert n'a pas dit que c'est sa cousine. Aujourd'hui, des gens vont venir nous décortiquer qu'est-ce qu'on appelle une cousine. Que tu peux appeler une camarade ma soeur. Oui, tu peux l'appeler la soeur, mais elle dit c'est ma cousine. Elle n'a pas dit c'est ma CP. C'est ma cousine, alors que vous n'êtes même pas cousine. Vous n'êtes même pas cousine. Et c'est vous qui prenez la tête de Yann. Vous mettez un prix sur sa tête et vous demandez aux gens, si vous avez attrapé ce Yann-là, on vous donne 500 euros. Donc, vous savez comment les gens vont faire pour l'attraper? Est-ce que Yann va se laisser faire? N'importe qui va venir l'attraper comme ils sont la police et puis va se laisser faire. Et si dans ça, là, il y a des échanges, il y a une bagarre qui est dedans. La police Yann... même n'a pas mis la tête du petit à prix. La police même n'a pas convoqué le petit. Il n'y a rien contre le petit, mais eux se permettent de mettre la photo du petit et mettre 200 euros sur sa tête. Ils ont augmenté, c'est plus 200, c'est devenu 500. C'est devenu 500. Et on parle de ça là. Il y a Hassan Hayek encore qui est dedans. Donc Hassan Hayek là, lui va emprisonner tous les Ivoiriens quoi. Hassan Hayek là, lui aussi va emprisonner tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est lui qui se charge des dossiers à Abidjan. Quand il y a un problème, on le contacte, lui vient en même temps, il vient parler. Il va venir parler. C'est vous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas votre place. Les gens vont toujours vous gouverner dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous-même les Ivoiriens là, vous ne pouvez rien créer. C'est toujours les gens qui vont vous gouverner dans vous-même, votre propre pays. Parce que vous aimez lancer, élever les gens. Élever les gens. Dans les autres pays, quand on parle, vous dites que non, on change de sujet. Dans les autres pays, là, quel que soit ce que tu as fait, là, la solidarité d'abord. On te défend en public et en privé, on te biama. Mais nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Hassan Hayek, aujourd'hui, il est partout. Tout, partout, il est dedans. Donc, c'est lui qui va finir tout ce qui est, tous les Ivoiriens qui sont dans les bêtises d'après lui. Là. C'est lui qui va finir. Mais lui aussi, il a accepté que quand son dossier va sortir, là, acceptez aussi que les gens vont casser parce que tout se paye aujourd'hui. Tout se paye. Tout se paye. Aujourd'hui, c'est parce que lui, il sait où il est assis qu'il fait ça. Mais demain, là, ça ne va pas être la même chose. Il y a des gens, là, ils ont des problèmes, mais ils sont calmes. Ils attendent parce qu'ils savent que là, s'ils vont en procès avec toi, ils vont perdre. Ils savent à quel moment ils vont te contacter. Ils savent à quel moment ils vont te contacter.
Donc, quand vous, vous êtes dans un combat, là, on ne vous amène pas. On vous laisse dans votre combat. Laissez les gens aussi dans leur combat. Est-ce que vous comprenez? Parce que sur la toile ici, là, nous tous, on raisonne. Hein? Nous tous, on raisonne. Voilà, si vous, vous êtes avec une personne à vie, restez avec cette personne à vie. Et je vous dis, quand je vois des gens qui vont venir, même sur mon panel pour venir, gens comme nous, on a problème avec Aya Robert. Qu'il y a problème avec Aya Robert? Voici le silence qu'elle a. Hier, elle a passé son temps à défendre Aya Robert. Mais quand ces personnes, ces crabes de femmes-là, des femmes bizarres comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, là, elles sont venues arriver à un moment donné, elles voulaient renverser le problème si silence, parce qu'elles ont vu silence. Donc silence doit forcément défendre Aya. Pourtant, elle a défendu Aya Robert. C'est Aya Robert qui nourrit les gens ici. On le fait parce qu'on n'a pas de problème avec quelqu'un. Sinon, tout le monde peut changer d'avis et puis ça ne bouge pas. Tout le monde peut changer d'avis et ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'Aya Robert peut créer dans... Elle peut créer quoi? Elle peut rien créer. C'est pourquoi je vous dis, si moi je veux m'adresser à Aya Robert, je n'ai pas besoin de prendre une personne pour venir diffamer sur Aya Robert. Voici ça, je parle à Aya Robert. Je parle à Aya Robert, je n'ai pas mis sa photo, mais je parle à Aya Robert. Je n'ai pas peur de dire son nom. Moi, je n'ai pas peur de dire son nom. Vous, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Aujourd'hui, Aya Robert, toutes ces personnes qui sont autour d'elle aujourd'hui, là, arrivé à un moment donné, là, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues d'Aya Robert. Pourquoi toujours c'est moi, vous allez prendre moi mon cas pour venir dire que non, Elie Dédé était avec tant de personnes étaient avec Roro, ils l'ont laissé. Vous connaissez les gens qui ont soutenu Aya Robert quand elle a commencé TikTok? Ces personnes ne sont plus là. Avant, là, Aya Robert, là, si tu as pris ce jeu d'Aya Robert, là, tu vas voir ces crabes-là vont commencer à faire des panels pour te bien, mais ça a diminué. Il y a beaucoup de femmes qui ont compris qu'elles se sont ridiculisées dans d'Aya Robert, là. Elles étaient trop esclaves. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer les panels aujourd'hui qui prennent la défense d'Aya Robert. Ça a diminué par rapport à avant. Faites l'estimation, vous allez voir, ça a diminué. Avant, tu ne peux pas te permettre pour parler d'Aya Robert. Mais nous, on a parlé d'Aya Robert. On nous a bien, maman, on a parlé d'Aya Robert. Ce n'est pas maintenant où Aya Robert n'a plus de vrais attaquantes qui font de son combat là, que nous, on ne va pas parler d'Aya Robert. Par rapport à quoi? Regardez sur le panel d'Aya Robert, là, c'est des nouvelles personnes qui sont adhérées à elle. Ces personnes-là sont quittées sur d'autres panels pour aller chez Aya Robert. Donc, si on doit parler de ça aussi, là, c'est Aya Robert qui les a mises à l'école. C'est Aya Robert qui paye les connexions. Hein? C'est Aya Robert qui paye les connexions. Aujourd'hui, moi, je vois même des personnes ici, mais qui viennent sur mon panel ici, même pour me dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, ils sont avec Aya Robert. Nous sommes en démocratie. Je accorde la crédibilité à ces personnes-là. Hier, les personnes-là me défendaient. Mais aujourd'hui, des personnes-là, quand je parle d'Aya Robert net, ils sont fâchés parce qu'aujourd'hui, ils sont Aya Robert. C'est comme ça, tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Quand tu aimes une personne, tu peux changer. Mais moi, là, je bouge pas. Je reste toujours dans mes bottes. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Je suis redevable à personne. Et Aya Robert m'a pas appris à allumer caméra. Donc, ne dites pas aux gens que moi, j'ai payé quelqu'un. Je suis allé voir une femme pour venir salir Aya Robert. Pour faire un coup. Je vais faire ça. Je vais gagner quoi dedans? Est-ce que c'est moi qui peux salir Aya Robert? Nous tous, on la connaît sur la toile ici. Est-ce que c'est moi qui peux la salir? Je vais prendre quelqu'un pour venir diffamer sur Aya Robert. Moi-même, je me mets en danger. Moi-même, je me mets en danger parce que je connais les risques de diffamer sur une personne. Maintenant, la dame même dit si Aya Robert est fâchée, qu'elle porte plainte contre moi. Moi, je vous dis haut et fort, Aya Robert ne peut pas porter plainte à quelqu'un sur cette toile ici. C'est interdit. Si elle n'a pas répondu dans les 49 plaintes, elle doit répondre à une plainte. Avant même de porter plainte contre quelqu'un. Aya Robert ne peut pas porter plainte contre quelqu'un ici. C'est vous allez bien me dire que non, Aya Robert va porter plainte. Va porter plainte. Elle-même, là, souvent même, elle aime bien ça. Quand on parle d'elle, là, elle aime bien ça parce qu'elle fait de l'audience. Ou bien, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous êtes là pour vous, c'est le côté négatif seulement qui est dans votre tête. Pour vous, là, on n'aime pas Aya Robert. On tous ici, oui, il n'aime pas Aya Robert. Il n'aime pas. Aya Robert, elle nous aime, nous tous. Aya Robert, même, là, elle aime qui suit la toile ici. Elle aussi, elle est dans Congo, ça. Quand je faisais live pour défendre Aya Robert dans le passé ici, là, vous étiez là, non? Vous étiez là. Mais quand j'ai eu mon problème ici, là, Aya Robert l'a renchéri dessus d'une autre manière. Vous n'avez pas vu ça. Est-ce que je me suis fâché contre Aya Robert? Est-ce que moi, je me suis fâché contre Aya Robert? Ou bien? Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. À nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, comme je les appelle, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, et pourquoi pas de la planète, voyez, vous voulez mélanger mon français. Et aussi, bon retour à vous qui êtes ici,
que vous appelez nouveau, en tout cas, à partir de ce moment ici, ne vous appelez plus nouveau, faites-vous déjà abonner. C'est déjà trop pour vous faire abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Voilà. On vient de suivre cette vidéo ici. On vient d'écouter. C'était quelle affaire? Donc, Aya Robert elle-même était dans l'affaire des pédocriminalités contre les enfants. Parce qu'elle a déjà fait ça. Vous avez écouté, j'ai pas répété. Vous avez, si vous n'avez pas bien écouté, suivez la vidéo comme ça, écoutez ça de vos propres oreilles. Et même, ça m'a dit, si ce que j'ai mon, c'est faux. Hein, Aya Robert, fais mes portes, faut me, hey, Seigneur le français, faut me porter plainte. Je vais me blesser pour mes abonnés. Je vais me blesser, même là même j'accepte, mais je vais, hey, Seigneur, je vais me blesser pour vous là, je vais me blesser. Vous avez écouté. La personne, bon, pour moi là, pour moi, moi je suis grandi dans une grande maison, il y avait beaucoup d'enfants. Des fois, on vivait avec nos cousins et cousines, on était plus de 15 enfants dans une même maison. Et quand on s'est détaché, quand les autres rentraient, et puis nous aussi, on part. Et puis là, des fois, on avait, bon, dans ma famille, nous sommes 6, hein, 6 enfants. Alors, on se retrouve des fois qu'à 6. Et aussi, quand nos cousins, quand on s'émerge avec nos cousins, on est plus de 15 enfants. Mais quand on reste, les enfants de ma mère, 6 enfants là qu'on est là, des mêmes pères, des mêmes mères là, quand on reste là, quand quelque chose arrive, notre maman toujours, très souvent, elle nous appelle, elle nous regarde un par un par un par un. Quand notre maman te pointe le doigt, dit que c'est toi là, tu sais que c'est toi. Et elle nous toujours nous rencontrait une histoire c'était histoire des voleurs. Et puis, si vous volez quelque chose à la maison, c'était même une histoire similaire que la maman là avait sa maison. Et puis, si un enfant vole quelque chose ou bien quelque chose arrive, on a habité d'amener l'enfant là, les enfants là dans la rivière pour chanter une chanson là. Si vous montez, la douleur va monter sur vous. Et aujourd'hui là, il y a des histoires en Afrique qui se font, mais au jour d'aujourd'hui, ça se font plus. Ça devient que plainte sur plainte, plainte sur plainte. Combien de gens sont partis à la marque à cause des plaintes sur TikTok? Il y a plein de gens. Mais quand une personne sort pour dire que si j'ai ment, si moi j'ai ment là, dans l'histoire là, il y avait qu'il faut gérer même si tu mens. Il y a des histoires qui se font que, aïe, voici, j'ai vu une vidéo sur TikTok, on a pris deux balais, le balai africain là qu'on fait avec les histoires des palmes là, on met des balais comme ça, on vous dit que si vous n'avez pas volé cette histoire, faut passer le balai. Les balais c'est soft, c'est vraiment trop comme ça, ça fait même comme ça là. On vous dit de passer sur le balai là. Si tu es l'eau, ça passe. Mais si c'est toi là, les balais là c'était retient, les... Vous connaissez les balais là, nos balais là africains là, non? Quand on balaye là, c'est comme ça. On fait avec l'histoire des palmes là. Mais ça va te retenir de façon qu'on va voir que c'est toi. Donc, les balais te retient. Pourquoi? Parce que tu n'es pas innocent. Mais pendant que la personne sort, dit que devant tout le monde, devant plus de 800 personnes, qui dit que si c'est que j'ai mal, il faut me porter plainte. On a tous besoin de voir. Si Aya Robert va porter plainte là-bas, c'est que la fille ne ment pas. Mais si Aya Robert ne porte pas plainte contre elle, cela veut dire que Aya Robert connaît quelque chose. Vous voyez, des fois on a envie de renchérir sur la vie des gens, on a envie de beaucoup parler sur la vie des gens, mais j'ai dit toujours de nous ressaisir, j'ai dit toujours de faire ça doucement, de faire ça avec preuve. On dit que non, les abonnés de Aya Robert sont bêtes, regardez, ils suivent leur leader bêtement. On ne sait pas, on est assis ici sur la toile, on ne peut pas insulter les gens. On n'est pas bon. La partie là, moi, j'étais pas contente d'essayer d'insulter les abonnés, c'est d'insulter les gens que vous ne connaissez pas. Parce que, moi-même, nos abonnés là, je connais pas tout le monde. Je ne connais pas tout le monde là. Pourquoi je vais insister? Pour cela, moi, et le stress, j'ai vite insulté. Vous pouvez m'insulter aujourd'hui, demain, vous ne connaissez pas, je serai qui? Je serai votre qui? Je peux pas insulter les gens que je ne vois pas. Alors, la partie que moi j'étais contre, c'est d'insulter les abonnés de Aya Robert. Oui, on peut dire que non, et non, ils sont pas allés à l'école, mais est-ce que vous avez vérifié que tout le monde n'est pas allé à l'école? Je prends pas part de Aya Robert, j'essaie d'être ses mains justement au milieu et juste. Est-ce que vous avez vérifié dans les abonnés de Aya Robert? Que non, tous ce sont des illettrés qui sont là. Non. Alors, on dit que non, elle a plus de millions d'abonnés. Quand elle fait live, vous allez voir que c'est tout des quais des gens. Ça arrive ici sur nous, sur YouTube, non? Vous avez 5000 abonnés, mais vous avez une vidéo là qui a que 100 views, qui a que 200 views.
c'est comme ça. On appelle ça algorithme. Mais des fois, ça monte, des fois, ça descend. C'est toujours comme ça. Bon, je ne vais pas beaucoup parler, je ne vais pas beaucoup rencher. C'est ça, car ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont vraiment sur YouTube et sur TikTok savent cette histoire que ça fait toujours comme ça, up and down, up and down. On ne peut pas insulter quelqu'un ici sous la toile. La partie que moi, j'étais contre, c'est d'insulter Aya Robert ou bien d'insulter les abonnés. Car les abonnés, la paix vous a insulté, mais... Comme une bonne personne, recadrons les sujets dans le respect sans insulter. On peut parler, on peut s'adresser à quelqu'un qui nous a insulté sans insulter la personne. Sinon, là, on devient dans la même. J'ai participé dans les lives d'un des gens de Aya Robert. Je ne vais pas citer les noms. J'ai participé. J'ai écouté la façon dont elle répondait à Rora. Elle n'a pas cité les noms, mais des façons elle répondait là. J'ai dit que, la personne ici même, elle a étudié. Pourquoi? Parce qu'elle dit que si vous marchez sur la rue, une personne fou prend la pierre, vous lance sur vous, et puis vous prenez encore la pierre, vous lancez, vous voyez l'action, vous devenez comme la personne. Alors si vous êtes intelligent là, vous pouvez aussi répondre à la personne de manière qui est, voilà, je ne sais pas de prendre part, hein. Je ne prends pas part de Roro ou bien de Aya Robert ici. Voilà, je pense que ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. On me montre le temps derrière la caméra. Hey, Seigneur Jésus, moi, je parle à mes... Hey, Jésus, je parle à nos abonnés. Oh. Il me montre comme ça. Donc, mon temps est fini. Oh. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre à ce moment. En tout cas, merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs et à vous les nouveaux. Venez, vous faites plus nouveau. En tout cas, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, tout le monde, partageant et commentant nos vidéos très gentiment. Dit que certaines vidéos, on en aura besoin. Alors, on retient certaines vidéos, on prend les liens, you copy and you paste. Je vous ai promis de chercher les mots paste en français. Là, je trouve pas où. Moi-même, j'oublie même. Voilà. Alors, copy and paste quelque part pour sauvegarder la vidéo et puis ça va vous servir un jour. Alors, on vous fait que vos gros bisous. Et on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.